Salut à tous, salut à toutes. Alors, il y a eu le patch qui est passé. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de trucs à tester. Et bah let's go, un petit instant, de ça à... Ok, good. Ok, donc c'est l'artefact. C'est mon chat ouvert, il y a des gens qui s'abonnent en pleine nuit. Au milieu de la nuit, il y a des gens qui s'abonnent. What? Bonjour. Hardstyle. Alors, que santé? Est-ce qu'on prend ce que santé? Pense que oui. C'est la game, c'est la game. C'est la game. Big, on tue deux unités. Il y a eu un buff d'Arsteel? Non, il n'y a pas eu de buff. Il n'y a pas eu un nerf justement? Ça va être compliqué, non? Arsteel champion gagne 200 HP. En vrai! T'as plus de cœur par défaite à chaque stage maintenant. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Écoutez, c'est l'heure. Hein. Allez, encore un kill. Oh, le petit crit qui met bien. Ok, on a encore fait 2 kills et on perd. Comment ça marche, Arsteel? Tu gagnes des stacks quand tu perds et quand tu tues des unités.
Oh non. Oh non, Maloustrique. Il pissouille, lui. C'est pas grave. On vise les 5, non? Donc là, on devrait prendre le 7. Putain, il casse les couilles. Oh non. Ouais. Ah, ils l'ont nerf, ok. Ah non, ils ont abusé avec Diamond Hands. Ça va, maintenant ils l'ont nerf. Mais ça reste OP, hein. Ok, on a tué deux unités et on a perdu. Du coup, regardez, on est passé à 40 stacks. Il fallait vraiment tuer deux unités absolument et perdre. Du coup, on est passé au palier supérieur. 8 gold estimated value. En vrai, on s'en sort super bien là pour le moment. J'ai perdu 3 rounds et j'ai 88 HP. J'ai fait que des good loss. Oh, j'ai eu un arc. C'est huge. Allez, encore une unité. Nice. Big. Rentable quand ta stock augmente, je sais pas, je pense que c'est bien dans tous les cas. Arsile en early, en tout cas, bah, c'est à toi de décider si tu veux le garder plus longtemps ou pas. Nice. Faudrait une spatule, quoi. True damage. Je pense qu'on fait encore une good loss là, non?
Oh. Oh là là. Que des los de zinzin. Trop bien. Non. Twilcy. Twilcy peut être joué. Ah, on va sortir de ça après. Je pense qu'il devrait y avoir une comp avec avec ça, Garen. Je pense que 2LC, ça a une bonne value là. On peut commencer à gagner des rounds dans soi. J'aurais bien passé en 5 quarts style, mais il faut 7 et Yone. On va perdre ça. Good luck, ce serait pixel. Et on dirait qu'on gagne. Ah, le 2LC il est fort en fait. Ah, le 2LC là il est vraiment très fort pour le coup. Unique de cost. Ils ont empêché de mettre des doublons pour éviter les abus avec cette compo. Faut dire que c'était broken. Oh purée. Ok. Ok, Ghost Patar style. Ok, ça va être un flop, mais on peut s'amuser. J'ai ni l'œil, mais...
pas la jouer. Je trouve pas de hardstyle. Y'a pas de Yone, pas de set. C'est dommage parce qu'on pourrait faire tellement de stacks là. Est-ce que là on va la jouer ou pas? On peut si on cut deux trucs. Bon, si on cut ces deux là, on perd tellement de front. On peut mettre 7 plus il a eu. En vrai, on perd pas tant de front que ça si on fait ça. Ok. Et à tout moment on peut commencer à faire des stacks. Des mad stacks. Et l'œil 2 avant Yone, je te jure. Peut-être bien ça. Ça y a globalement des très bons persos. Ça pourrait me faire Aphelios 3. Faut pas qu'on avance un peu là? Go. Estimated gold value 17. Moins de plus qu'Ezreal, ouais. Alors ça peut être un Ezreal, hein. Du coup, ce serait quel big shot? Let you go. Il me faut de la front là, j'ai pas de front line. Enfin, j'ai de la front grâce aux unités et tout LC, mais en vrai, j'ai pas d'item front. Mais c'est pas plus mal en soi hein, d'avoir full dégâts avec, avec cette front line là. Parce que justement, c'est une front qui a une bonne value même sans item. Vu que j'ai des HP et des résistances, surtout mes persos. En réalité, c'est une front qui est très tanky.
Nagatsama, merci pour le Prime. En fait, faut juste que Aphelios passe 3 et on est bien. Je pense. Oh non. Dommage. Qu'est-ce qui est le plus value là? Tire, belt. Une rédemption, je pense que c'est ce qui a le plus de value avec ces trucs là. Mais honnêtement, je vais juste prendre les gold. Une cloak 5 gold, je prends. Cloak 5 gold, c'est très bien. Rapid fire. J'ai pas envie de join Jinx. De toute façon, on va cut Senna. Hein. Oh. Et bah, parfait. Je pense le double Nico direct. Hein. C'est combien de... Combien de push? C'est pas si cher, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où juste on rentre... On rentre cette Qiyana, on lui met un composant et on espère qu'elle nous farme des items. Peut-être qu'elle peut nous farme des items. Et là, dès qu'on trouve Ezreal, on peut passer en 7 art style. Il me faudrait de quoi Shred l'armor. Even Shroud, ce serait parfait en fait. Ezreal. Ok. C'est tellement mimesque. C'est tellement mimesque comme compo. Et on perd le 8-bit donc. Après le truc c'est que Garen il est... C'est un 2 cost. Donc quitte à mettre un sentinelle je pense autant laisser Garen. 110 HP sur toute ma compo c'est vraiment une value de fou. Donc on fait vraiment beaucoup de stack. Yo Wilbo m'a spoilé un an. Pas autant que si on était en 9 mais... En fait le fait qu'on va commencer à chaque fois à garder les récompenses précédentes. Garder 20% des stacks c'est pas mal. 20% des hearts. Là on en a 100 donc ça va garder 20% encore. Mais est-ce que ça s'additionne à chaque fois au précédent ou ça repart à 20%? Yo Goldaken, merci pour le prime. Merci Wilbo pour les 1 an. Je sais pas. Ah, je suis pas certain de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas de front, hein. Je pense qu'on peut faire TG. TG, Adaptive Helm. Et TG sur 7, I guess. Sur lui, hein, c'est notre chosen. Oh purée. Attends, pourquoi j'ai 350 stacks d'un coup? Oh. Let's get
Ah ouais, c'est vrai que c'est multiplié par 6. Je vois 32, mais pas, c'est pas 32, c'est 32 fois 6. Ah ouais, mais attends, mais... Elle va partir en couille, cette game. Heureusement qu'on a fait l'os 3, hein. On serait vraiment faiblard. Ah, j'aime bien le petit 2LC avec, avec Garen, Aphelios, Senna. Le problème, c'est qu'on scoltine des unités qui sont quand même vachement poubelles. Hein. Ce qui est bien, c'est quand on va trouver un Kane. Quand on va trouver un Kane, on sera bien. Parce que le Edgelord, il va mettre bien. On pourra rentrer un Edgelord. Un item Illaoi, je pense. Ils veulent pas nous laisser. Hop. Double adaptive, I guess. J'aimerais bien juste avancer et rentrer plus d'unités. 68. Bah je pense qu'on push hein. Parce qu'en vrai Bard, c'est un 2 cost qui va donner 110 HP à toute mon équipe. Et c'est Jazz qui va donner encore plus d'HP à toute mon équipe. Il donne 12% HP et 110 HP. Ce push Bard est... me rend insane, genre beaucoup plus strong genre. On met Lucian quand même à la place de Senna, même si c'est un 2 cost. Au bout d'un moment je pense qu'il faudra... Faudra oublier un peu la value de 12th. Au bout d'un moment, les HP ça va être fake. Hop là, 400 stacks. Ok, on cache au prochain tour, les gars. Elle est pas incre la game. It's not incredibly. Laissez-la. Arriver la good loss, ce serait incroyable une good loss. Oh, une Nico et un Kane. Oh attends, mais je suis déjà à 50 gold. What? Mais quand est-ce qui? Lui pour l'instant. Mais si t'avais perdu le round. Ouais mais bon, plus on gagne de round, plus on peut rester en vie et plus on aura de récompenses aussi. Dire ta logique, elle marche.
Pas que dans un sens. Mettre au milieu. Roll down. Pourquoi roll down? Nice, on peut garder notre Nico. Je pense que j'aurais Nico Hilary dans l'autre cas. Ça c'est compliqué parce qu'il a de l'accès backline. Ah, lui c'est pas lui qui m'a battu tout à l'heure. Si c'est lui. On est un peu plus fort cette fois-ci quand même. Hein. Ah, 13 HP ça va être compliqué ça. Ok, on a Sona 2. Mais c'est 150 stacks, oui, mais il faut les cash, hein. Mais lui, ça s'était bien passé contre lui, mais... Je vais mettre une tentacule en backline pour bait le spell de Lux. Et normalement à chaque fois qu'il a eu cast, ça va la régénérer. Elle tank bien. Ouais, c'est parfait. Et là elle revient à la vie. Elle va rebait le spell de Lux. Je pense qu'il a eu, si tu réfléchis bien, c'est un peu le counter de Lux. J'ai jamais vu personne faire ça, mais je pense que c'est... Je pense que c'est smart. What? Attends, mais c'est tellement mimesque. What?
Attendez, laisse-moi réfléchir. Lucienne en veut jouer, c'est sûr. On va voir ça. On perd un peu d'HP, mais... C'est peut-être ça, non? Est-ce qu'on peut faire une lèche 3? Non, on est trop loin des Lèches 3. Bon, c'était rigolo. Il te file tous les hardstyles niveau 3. Tellement mimesque. Jeez. Chosen Eli, ouais, mais j'avais plus assez de gold. Ouais, je pense avec 20 gold de plus, j'aurais tenté. Oui, j'ai deux fois le chat. Ah là 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 là. Good times, good times. C'est la première fois que j'ai un start hardstyle avec l'augmente proposée, genre. C'est tellement rare.